Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Les amis, aujourd'hui, comme promis, on va parler KVK et ce KVK énormissime avec les 1960 et les 2110. Mais avant cela, les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo et nous aider à désintégrer le plafond des 10 000 abonnés. On est tout proche, on n'a jamais été aussi proche, les amis. Et surtout, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne. C'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos. Vous ne pouvez pas le rater non plus, les amis. Commençons tout de suite donc sur ce KVK. Mais avant cela, les events, c'est un petit peu calme quand on regarde. Pourquoi c'est calme? Tout simplement car on va avoir le pop des events saisonniers. Regardez, on a un vide à partir de jeudi. Donc, ça sent le pop jeudi, je dirais, annonce demain. Petite annonce donc pour nous dire que les events saisonniers arrivent comme on a souvent. Puis le pop jeudi, grand max vendredi, et on le voit également si vous allez voir le plus grand gouverneur. Nous avons Bertrand Duguay-Clin qui est bien dans le prochain plus grand gouverneur. Donc dès la semaine prochaine, en fin de semaine, on devrait pouvoir avoir les rapports, les premiers rapports. Et dès mardi, normalement de la semaine prochaine, on aura les premiers rapports sur ce commandant de ouf, Alexander Nevsky. Si vous l'avez raté, n'hésitez pas à aller voir la vidéo d'hier, les amis. J'en parle très, très longuement. Il est vraiment énormissime. Les deux semblent pas mal, mais Alexander semble vraiment beaucoup plus intéressant de mon point de vue. Sinon, toujours la maison d'Esmeralda, 17h24min25s. Ne ratez pas, allez jusqu'au 10 tours, jusqu'au coffre, hein, puisque regardez ce coffre, il apporte des items qui sont pas dégueulasses du tout. Je vais aller le chercher tout de suite, hein, le coffre. On va voir si c'est de la chance. Premier tirage tout pourri. Deuxième tirage très intéressant. Vous voyez, quand vous avez des bons tirages comme ça, ça fait plaisir d'avoir du stuff légendaire. Et je vais faire un tirage x5. Normalement, je devrais avoir 5 fois du caca parce que j'ai eu un coffre légendaire. Donc normalement, voilà. Ah non, j'ai quand même eu 2 et 3. Un coffre de 2 et un coffre de 1 plutôt. C'est pas mal du tout. Je prends ce coffre-là et c'est plié. Pour le reste, hein, rien de particulier, la mise en ligue et la ligue, n'oubliez pas, vendredi, je ferai les nouveaux paris. On va bien se mettre, ça fera plaisir, j'espère qu'on va réussir à tout dégagner. Et explorateur des civilisations, avec une remarque faite par l'un d'entre vous que je n'avais pas vu. Donc vraiment une excellente remarque, regardez, si on va dans le musée, tac, je vais dans le musée. Et qu'on regarde un des, si on regarde un des items, par exemple, je vais prendre celui de Mina. Regardez, rappelez-vous, le coût du déblocage d'une exposition augmentera progressivement en fonction du nombre que vous avez déjà débloqué. Alors l'ordre est très important puisqu'il va falloir vous dire que chaque fois que vous allez en débloquer un, ça va augmenter le coût du suivant. Donc focalisez bien sur les commandants que je vous ai donnés. Men, Minamoto par exemple sont vraiment des must-have. Vraiment, parce qu'après ça va vous coûter une blinde à débloquer, surtout en tant que free player ou close spender. C'est pour ça que vous le voyez. Je pourrais en débloquer. Oui, je pourrais en débloquer un. Pour l'instant, je ne fais rien. J'attends d'avoir un maximum d'infos possible. Surtout que je n'ai pas besoin de les débloquer. Pour le moment, on n'est pas encore en phase de combat dans notre KVK. Venons-en à ce KVK, mais juste avant, une petite ouverture de coffre, 74 clés et l'ouverture gratuite et 48 clés de cristal. On va voir s'il y a de la chance. Je vous le rappelle, la règle elle est simple, je vous ai montré les stats. 74 clés en or, si j'ai 74 cultures, c'est un bon tirage. Plus de 74 cultures, un excellent tirage. Moins de 74 cultures, un tirage en carton. Là déjà, mon tirage gratuit, il est tout pourrave. Et moins on a de commandants de farm, mieux c'est, mieux le tirage est. On ouvre tout de suite et j'ai un tirage déjà. Un César, une Séon Déoc. Quand je vois Séon Déoc, ça me fait mal aux yeux. J'ai 10, 25, 27, 27. Vous voyez, 9 Cléopâtre, franchement. Et encore 3 Séon Déoc, 39. J'ai un tirage tout naze. J'ai eu 50 clés, 49 sculptures plutôt. Et pas mal de sculptures parce que sur 50 sculptures, j'ai eu 7 Ishida. 3 Séon Déoc, 10, 19, 29. Vous voyez, j'ai plus de la moitié. C'est des commandants de farm. C'est tout pour Av, 0 Mulan. Franchement, un tirage bien en carton.
comme je les déteste pour 70 clés, c'est vraiment tout naze. Je vais faire mon tirage de 48 clés en cristal, voir si, bon, là c'est pas mal puisque j'ai eu un ébène légendaire. C'est toujours très très bien quand vous arrivez à avoir un légendaire. Mais des tirages en demi-teinte, franchement, les tirages, je trouve qu'ils sont de plus en plus tout naze. À croire que ça a été patché discrètement. Parlons donc de mon KVK. Je suis en plein sur la brume. Je déteste le mec qui a inventé la brume. Je le déteste tout simplement. Pourquoi avoir mis cette brume? Je suis à 45,60%. Ça a ouvert hier pour ceux qui n'ont pas suivi. Lundi, mon KVK a commencé. Et donc, contre qui je suis? Je suis contre le 1960 qui se trouvait en haut à droite. J'ai commencé à explorer toute cette zone. Cette zone-là, normalement, San Pedro, on ne devrait pas y aller tout de suite, tout de suite. Parce qu'on veut bien le reconnaître, je vais vous montrer les différences de puissance. Le 1960 nous roulerait dessus. De l'autre côté, il y a, si on y allait tout seul, le 2110 en Benguela. Je n'ai pas encore exploré. Ce sont nos alliés. Et en bas à gauche, nous avons le 1947 qui est aussi indépendant comme la Corse. Ils sont indépendants. La Corse n'est pas indépendante. Hein. Le 1960 et le 1947 sont tout seuls. Ils ne sont pas ensemble. Et nous et le 2110, nous sommes ensemble. Alors vous allez me dire, pourquoi sommes-nous deux contre deux royaumes tout seuls? Et pourquoi ne pas faire un 1 contre 1 contre 1 contre 1, un free for all? Tout simplement car le 1960 a demandé à faire un 3 contre 1. Et le 1947, lui, ne veut d'alliance avec personne. Donc, c'est simple, on se retrouve 2 contre 1 d'un côté, 2 contre 1 de l'autre. Le plus probable, hein, et ce que tout le monde préconise, je ne suis pas dans les stratégies de mon royaume. De ce que je vous dis là, ce n'est pas une stratégie annoncée. On devrait se battre contre le 1947 de ce côté-là, essayer de les enfermer en Célian. Pendant que le 2110, eux, essayent de bloquer au nord, en Lucerne, le 1960. Et après, on devrait se retourner, si on arrive à bloquer le 1947, gros royaume coréen, on devrait se retourner à 2 contre le 1960 qui est tout bonnement énorme. Regardez, avant qu'on aille voir la puissance des alliances dans le jeu, regardez ces deux screens. Merci Kevin pour ces screens. Le screen des puissances juste avant le début du KVK, c'était pendant le pré-KVK, donc c'est le matchmaking qui a été retenu par Lilith. Sachant que, attention sur ce screen-là, tous les royaumes, sauf le 1256, mon royaume, ont été mis à jour. Nous, la mise à jour date du 12 septembre. Donc, ça remonte à il y a très longtemps. Quand les autres ont des mises à jour, au 15 janvier. Donc, regardez la puissance. Hein, si on regarde les T5 et T4 et T5 de kill et les puissances déjà, le 1956 est le moins puissant avec 24 milliards, suivi du 1947, 26 milliards. Le 2110, 27 milliards. Donc, juste devant, en fait, presque 28. Et le 1960, bien plus puissant, avec pratiquement 32 milliards. En termes de kill, ça se bagarre, hein. C'est bien réparti. On a tous des puissances différentes, mais je vais vous montrer un graphique araignée. Vous allez voir, on voit beaucoup plus le comparatif et pourquoi on peut être confiant sur ce KVK. Regardez, en orange, c'est nous, le 1256, en vert, le 1960, donc le plus large. Le rose est le 2110 et le bleu, le 1946, on le voit, le 1947 est haut en top 300 puissance, mais en troupes mortes, en T5 kill, en T4 kill et le cumul des deux, eh bien ils sont loin derrière le 2110 et nous le 1256. Et excepté en puissance, on est équivalent au 2110, on les dépasse sur certains points, par exemple en troupes mortes ou en T5 kill, on est l'équivalent en T4 kill et en cumul des deux, et ils nous dépassent donc en puissance. Donc normalement, vous voyez, ça paraît à 2 contre 1 contre le 1960, ça paraît pas n'importe quoi, ça va être très très équilibré je pense, et évidemment, ça va être ultra chaud. On va aller voir in-game les alliances, vous allez voir, ça ne plaisante pas du tout. Franchement, c'est assez ouf ces alliances in-game. Vous allez voir, tac, je vais dézoomer, hop là, on va dessus et je vais dans classement, puissance d'alliance et là, regardez. Pourtant, je suis chez les WoS ou les SOS, on a des belles alliances. Mais regardez, les premiers, les 60 GT, 20,7 milliards, 20 milliards, 715 millions, tout bonnement énormissime.
Les membres de l'Alliance, ils vont bientôt passer les 21 milliards. Il se dit que leur leader à 815 millions, qui a fait une belle percée, il a pris déjà près de 30 millions, je crois, depuis le début du KVK, serait le joueur avec le plus gros staff du jeu, le meilleur stuff et pas stuff du jeu, le meilleur équipement du jeu. Regardez donc leur R4, hein, c'est tout ça, plus de 100 millions, 77, 235 millions, 323 millions, sauf un à 95 millions, des puissances hallucinantes. Il y a des joueurs à plus de 200 millions dans tous les sens. Bref, une belle grosse alliance de baleines. 21 milliards bientôt pour les 60 GT. Très impressionnant. Suivi par les 47 KR qui plaisantent pas du tout. 15 milliards et demi. Les Korean Legend, la légende coréenne. D'ailleurs, regardez, est-ce qu'ils le disent, le 1960? KVK, All KVK. Ils ont gagné tous leurs KVK, c'est simple, et ils ont gagné la saison 4 d'Osiris. Clairement, les mecs sont déter, ils sont pas là pour plaisanter, sachant qu'ils vont avoir un problème. Ils ont la Ligue Osiris en même temps que le KVK. Il va falloir faire des choix. Les 60 GT, vous aurez du mal à gagner les deux, puisqu'il va falloir conserver des troupes, même s'ils en ont des caisses de ouf. Ça va être tendu pour eux de faire les deux. Regardons donc, hein, les 47 KR, pareil. Alors, le premier en puissance, leur leader, 356 000. Alors là, je ne comprends pas. Il a dû le mettre en temporaire pour aller lead une autre alliance. Que des beaux gros joueurs également. Hein, une très grosse alliance, même si elle est presque 6 milliards, même 6 milliards en dessous des 60 GT. On est contre aussi. Ensuite, vient nous et nos alliés. Le 1256. Les Woz, vous le voyez, hein, 7 milliards de moins, 7 milliards de moins pour l'alliance la plus grosse de mon royaume derrière les 60 GT. C'est assez oufissime avec des beaux joueurs aussi et des belles baleines, hein, mais on se trouve plus dans des normes entre 80 et 170, 180 millions moins de baleines à la CB infinie. Mais attention, il faut savoir qu'on a ces puissances-là, car on a descendu volontairement la puissance de tout le royaume pour ne plus être impérium. Derrière nous, les EVU, nos alliés du 21-10, très grosse alliance également, le 21-10, hein, des vrais fighters. Vous le voyez, ils ne rigolent pas, on est dans les mêmes normes que nous. Ensuite, c'est encore chez nous, c'est enfin chez les EVL, le 21-10, puis c'est nous, les WOS. Puis les EVK du 21-10 et seulement arrive la deuxième alliance du 1960. Et après, on repart, hein, sur les CB10, puis seulement le 1947, puis le C10D, puis c'est encore nous, le 1256, et encore nous, le 1256, puis le 21-10. Donc vraiment, le cumul fait qu'on est supérieur. Si on prend le top 6, hein, nos adversaires sont à 20 milliards sur le top 6, alors que nous, le cumul de nos alliances, c'est 27 milliards. Les EVU avec le 21-10, c'est 27 milliards aussi. Donc normalement, et plus si on prend le top 7, hein, même si on prend le top 8, on est devant. Dans le top 8, ils sont devant avec 31 milliards, mais le top 10, c'est le 21-10 qui est largement devant. Bref, en tout cas, au niveau des puissances, très intéressant. Regardons à présent mise à mort d'alliance, et c'est là qu'il y a une vraie différence. Mise à mort d'alliance, les premiers sont les 60 GT avec presque 500 milliards de points de mort. Je ne sais pas si une alliance a plus de 500 milliards de points de mort. S'il y en a une, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je suis curieux de voir ça, car ça me paraît être tout bonnement énormissime. Ensuite, c'est nous avec 258 milliards, puis c'est encore nous avec 224 milliards, puis vient le 21-10 et seulement en sixième position à 172 milliards, le 1947. Si on fait le cumul des WOS et des SOS, on est des SOS, on est devant les 60 GT, les EVL avec le 21-10 sont juste derrière. Si on fait le cumul du top 10, les premiers sont, allez, je dirais que les premiers, c'est, on ne doit pas être loin, le 21-10 premier, deuxième 1960. Et nous, on doit être troisième, mais ça se tient. Donc vous le voyez, hein, c'est vraiment très très serré ce 2 contre 1. Regardons en puissance individuelle et on finira par les mises à mort, les puissances individuelles. Le premier, alors là, de toute façon, c'est le 1960, ils vont avoir pas mal de spots. 815 millions, suivi du 1947, 613 millions, les 60 GT encore. SR Jean, 463 millions, les 60 GT, 407 millions, et arrive la première grosse baleine du 21-10, 394 millions.
Suivi de Orok, la plus grosse baleine de mon royaume, le 1256, talonné par Kong 02, parce qu'il y a Kong 01 aussi hein, qui achète beaucoup de coffres en or. 371 millions et 326 millions, et on repart sur les 60 GT. 60 GT, vous voyez, il y a Kong 1. Il faut savoir que Kong 2 et Kong 1, c'est le même joueur. Hein. Donc le mec, il a deux comptes à 300 millions. Donc croyez-moi, lui, il n'est pas là pour plaisanter. Je pense que c'est la plus grosse baleine de mon royaume. Vous le voyez, beaucoup de 60 GT dans ce top 20. Très, très impressionnant. Mudslinger aussi, lui, il rigole pas. Donc le top 20, avantage net aux 60 GT. Regardons à présent les mises à mort individuelles. Le premier est toujours ce joueur à plus de 800 millions, le leader des 60 GT. Deuxième, 60 GT. Troisième, 60 GT. Quatrième, cinquième, sixième, 60 GT. Septième, 60 GT. Huitième, 47 KR. Neuvième, 60 GT. Et le premier, 21-10, ni 60 GT, ni 1947, et du côté des EVL avec 8 milliards 259 millions de mises à mort, mais on est un peu loin. Le premier de mon royaume est chez les WOS, chez moi au OSH avec pratiquement 8 milliards. Puis on a Stargazer, très gros joueur aussi, hein. Boa, Boa, trop fort, Boa. Mais on est quand même à la traîne et 1960 nous déglingue très clairement là-dessus. Donc, si on fait le cumul de tout, en termes de puissance d'alliance, si on fait le cumul, ça se vaut, c'est très proche. Mise à mort d'alliance, tout cumulé, c'est assez proche, léger avantage aux 60 GT. Puissance individuelle, avantage aux 60 GT. Mise à mort, avantage aux 60 GT. Ça va être extrêmement chaud, les amis. Si on regarde les récoltes de ressources, vous voyez, hein, même cette méga baleine des 60 GT n'est pas dans le classement et on a des joueurs un petit peu moins connus, un petit peu moins gros sur le classement des récoltes de ressources qui montrent que certains mettent vraiment de la ressource qu'avec des coups de CB. Après, c'est leur choix. On l'a vu, hein, même des joueurs comme Baba n'hésitaient pas à farm et pourtant les mecs mettent masse CB. Voilà pour ce KVK. Au niveau du timer, les premiers combats, les amis, devraient arriver. Alors, je regarde la chronique. Les premiers combats, et je vais essayer de vous en faire des lives. Je dis bien essayer, ça va dépendre. Les horaires ne sont pas les plus favorables. Les ouvertures de portes devraient tout avoir lieu lundi, un lundi. Donc, ça va dépendre de l'horaire après. Normalement, la première ouverture de porte sera ce lundi, lundi 31. Et cette ouverture, alors j'ai fait sauter la chronique, cette ouverture devrait être sur la zone de niveau 4. Je vais vous la montrer. Si je dis pas de bêtises, la première ouverture, ça va être celle-là, cette porte de niveau 4. Et donc, on va aller se battre en scellant. On va essayer, je dis on, parce que si je live, je le ferai peut-être avec certains modos du Discord, comme Kevin, comme Godbless, comme Francis. On va bien voir comment on s'organise, les amis. Mais après, il ne faut pas non plus que je vous sorte toutes les balises, car s'il y a trop de balises et que je donne la stratégie, rappelez-vous de ce streamer qui s'est fait zéro, car il faisait un live il y a l'année dernière, hein, il y a 2 saisons de KVK. Il faisait un live de son KVK et. Évidemment, il a montré les balises et ça a donné des gros, gros indices à ses adversaires. Et forcément, ça n'a pas plu au leader de son royaume et il s'est fait zéro. Voilà pour mon gros KVK. Dans les infos à savoir aussi en KVK, le tout nouveau KVK, malheureusement, pour une raison que j'ignore, est bridé à 60 alliances, 60 royaumes seulement qui peuvent s'inscrire. Regardez ce screen. Il y a une limitation à 60 royaumes. Je n'ai aucune idée de la raison pourquoi c'est limité à 60. Si vous avez déjà vu des infos là-dessus, n'hésitez pas à me les partager. Moi, ce screen-là, il a été partagé sur le Discord. Je n'avais même pas connaissance qu'on avait cette limitation. Donc, si vous en savez plus, si vous en savez plus, les amis, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si j'avais raté l'info ou si certains qui se sont inscrits ont eu l'info, n'hésitez pas à la partager. Si cette vidéo vous a plu, les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez, les amis, ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout, ça fait vraiment très plaisir, les amis. Si ce n'est pas encore fait, qu'attendez-vous? Qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos? Je
Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous. Faites bien attention à vous, les amis. Et je vous dis à plus sur Rock.